Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo qui va être très brute, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coupure, pas de montage. Je te filme ça one shot et je te publie ça parce que là je suis en road trip, comme tu vois derrière moi, là je suis dans le sud de la Turquie, plus précisément à Kaş. Et on s'apprête comme d'hab en famille, tu sais que si tu me suis depuis un moment, j'apprécie tout particulièrement les road trips en famille, prendre la voiture et voilà, faire de longues routes. Donc là, on s'est attaqué donc tout le sud de la Turquie, de Antalya, et on va remonter jusqu'au nord. Alors, je te disais, ouais, donc ça va être une vidéo brute, sans coupure. Je te balance ça. L'idée, c'est de te parler ce qui me semble être l'un des meilleurs business ici à faire en Turquie. Parce que je t'en ai parlé sur ma chaîne, tu sais, tu as une playlist sur la Turquie où je t'ai partagé pas mal de choses sur la qualité de vie en Turquie et aussi sur l'entrepreneuriat. Bien sûr, la Turquie actuellement est touchée par une crise économique un peu comme tous les pays, particulièrement touchée par rapport à sa monnaie qui a énormément dévalué, encore plus que ce que je t'avais annoncé à l'époque déjà, où c'était déjà pour 1 euro 6 Turkish Lira, on est arrivé à 1 euro 10 Turkish Lira, donc c'est assez conséquent. Et donc du coup, voilà, bon, bah, forcément pour les locaux, pour ceux qui vivent ici, c'est beaucoup plus compliqué. Pour ceux, en revanche, qui ont la devise étrangère, comme c'est mon cas et probablement ton cas si tu me suis et que tu es intéressé à faire des business à l'étranger et ensuite éventuellement par exemple venir t'installer ici en Turquie, bah, c'est extrêmement intéressant. Donc, je te disais, l'idée, c'est quoi? Ça veut dire que bah, avec en plus cette monnaie qui se dévalue, il y a des opportunités très intéressantes. Maintenant, il faut connaître les lois, il faut connaître le contexte, il faut connaître le pays, un petit peu comment il fonctionne en termes de culture, en termes de méthode de travail, en termes d'habitude de consommation, pour pas investir n'importe comment, parce que clairement, bien sûr, il y a des secteurs qui sont extrêmement bouchés, il faut pas partir là-dessus. Je t'ai fait une vidéo, d'ailleurs, je trouverai peut-être le lien, je te l'afficherai, une vidéo des 5 meilleurs business que moi je te partage ici, ou que je te conseille ici en Turquie. Il y avait notamment de la restauration, du tourisme. Je te parlais de tourisme à ce moment-là. Et c'est important. Pourquoi? Parce que le tourisme, c'est un secteur extrêmement dominant, on va dire ici. C'est un pilier de l'économie en Turquie. Et pourquoi c'est important? C'est parce que, ce que je vous dis toujours, que ce soit pour Dubaï, que ce soit pour la Turquie ou que ce soit pour d'autres pays, il faut toujours essayer d'être aligné avec le business model du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Être aligné avec le business model du pays, c'est-à-dire comprendre l'économie du pays, regarder quels sont les secteurs qu'ils cherchent vraiment à protéger, donc en l'occurrence, en général, leurs piliers, ok? Et du coup, s'aligner par rapport à ça, parce que ça signifie que ces secteurs-là seront plus ou moins protégés. Et dans cette vidéo, je te disais que le tourisme, étant un pilier de l'économie turque, avec plus de 40 millions de visiteurs dans le monde, Istanbul, c'est plus de 20 millions, Istanbul, c'est dans le top 10 des pays, des villes les plus visitées, Antalya, dans les top 20 des villes les plus visitées, donc, ok, compris que le tourisme, c'est très important. Et donc, je te disais que c'est intéressant de se lancer dans le tourisme parce que quelque part tu es aligné avec le business model du pays et donc protégé. Et regarde là avec le Covid ce qui s'est passé, comme tu le sais, partout dans tous les pays le tourisme a été touché, l'économie liée à la restauration, aux hôtels, à tout ce que tu veux, ça a été extrêmement touché. Ça c'est lié à cause de la crise sanitaire, on est d'accord. Mais regarde par exemple en Turquie, tu vois, alors que beaucoup de choses étaient à un moment, il y avait pas mal de restrictions, tu vois, pendant l'hiver, et bien dès que c'est en période de haute saison, comme c'est-à-dire on va dire depuis février mars jusqu'à novembre, bah, par exemple pour les touristes qui pouvaient venir en Turquie, c'est ouvert. C'est-à-dire que les Turcs n'avaient pas accès à certaines activités, tu vois, mais par exemple les hôtels de luxe avec piscine, tout ce que tu veux, ils étaient ouverts. C'est-à-dire que les touristes venaient. Je parle pendant la période vraiment où c'était rouge, hein, quand c'était en plein été, que c'était ouvert pour tout le monde. Mais quand c'était rouge, c'est-à-dire fin d'automne, début d'hiver et printemps, bah, c'était rouge et c'était donc même pour les Turcs, ils étaient limités, ils avaient des restrictions. Bah, pour les touristes, c'était ouvert, ils avaient le droit. Moi, quand j'étais parti à Istanbul, bah, voilà, les touristes, on pouvait visiter, les sites étaient ouverts et ainsi de suite. Donc, tu vois, celui qui est aligné avec le business model, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas touché par la crise sanitaire, ça veut dire que bah, il a
un peu plus d'opportunités, il va être un peu moins frappé par des éventuelles restrictions ou même des évolutions de loi qui pourraient être à l'encontre de son business. Okay ? Donc ça, c'est un point important. Ensuite, moi, en termes de business, ce que je recherche toujours, je suis dans une logique, si tu veux, d'arbitrage. C'est-à-dire que j'essaie toujours de regarder qu'est-ce qui est sous-coté. Qu'est-ce qui, si tu veux, n'a pas encore attiré les regards trop importants des investisseurs, donc avec un faible coût d'entrée, tu vois, pour pouvoir avoir un gros potentiel, ok, et faire une marge ou une rentabilité intéressante. C'est ce type de business qui m'intéresse. Et pour moi, tu vois, la Turquie, c'est une des raisons, il y en avait plusieurs, laquelle je suis venu ici en Turquie, c'est parce que c'est sous-coté. Pour moi, la Turquie est sous-coté. Beaucoup, quand tu parles de la Turquie, de moins en moins, et notamment aussi un peu grâce à mes vidéos, parce que j'ai beaucoup de... Là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui s'installent ou qui comptent s'installer. C'est bien, bon, modestement, hein, j'y contribue, mais c'est encore sous-coté. Beaucoup de gens, voilà, ouais, non, mais la Turquie, ah bon, Midnight Express, vont te sortir des références bizarres, ça parle pas du tout la langue, enfin bref, pas mal de barrières. Et donc, à mon sens, c'est sous-coté, tu vois. Alors qu'un pays dont j'ai pas mal parlé, par exemple Dubaï, quand j'en parlais, bon, c'était bien sûr connu, mais c'était pas encore, c'était pas le grand afflux de gens, notamment de France, qui même souhaitaient y habiter. Et après, depuis qu'il y a eu les influenceurs à coups de vidéos sur les yachts et j'en passe, là maintenant, ça déferme, tu vois. Et c'est intéressant parce que moi, Dubaï, je l'ai vu évoluer et je vois la différence, comment l'effet influenceur peut complètement faire basculer les choses. Et pour le coup, là, Dubaï, c'était volontairement qu'ils se sont pris de cette façon et ça a plutôt bien marché pour eux. Donc, probablement pour la Turquie, quand il y aura quelques influenceurs Instagram et autres qui feront des vidéos sur des yachts et autres, ça prendra beaucoup plus de notoriété et de publicité. Okay ? Mais en attendant, à mon sens, Il y a vraiment un gros potentiel. Et aussi, il y a un deuxième effet aussi qui va jouer, c'est l'effet économique. La crise économique en Europe, la crise sanitaire, la crise politique, médiatique, tout ce que tu veux, va faire fuir beaucoup de gens. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup souhaitent s'y quitter l'Europe. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, beaucoup viennent également en Turquie. Donc, aujourd'hui, il y a un potentiel, il y a des choses intéressantes à faire parce que le prix, le coût d'entrée en Turquie, la vie de tous les jours, ça reste assez faible et c'est à mon sens sous-coté et ça va prendre de la valeur avec le temps. Plus on va avancer, plus les années vont s'écouler. Ok ? Donc ça, c'est un point positif qui m'intéresse. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder quel est le potentiel qu'on pourrait faire. Tout à l'heure, je t'ai dit en premier point, être aligné au business model du pays, le tourisme. Et par exemple, là je suis en road trip, comme je te disais, moi j'aime bien analyser, prendre le temps d'observer, de regarder ce qui se passe, de voir un petit peu les différentes zones intéressantes, les habitudes de consommation, ainsi de suite. Et là je suis dans le sud, la partie l'une des on va dire des côtés ou des régions et villes les plus touristiques, hein, bien sûr avec Istanbul. Le sud, elle est très prisée, ok. Et quand je fais mes road trips, j'aime bien faire mes locations en Airbnb, parce que j'aime bien pas programmer trop à l'avance en fonction du feeling, tu vois, je loue. Et là, au moment où je te parle, on est en juin et c'est pas complètement ouvert. C'est-à-dire que certains pays qui autorisent donc leurs ressortissants à venir en Turquie sont là. Donc il y a quelques Européens, mais le gros du tourisme que je vois, c'est du tourisme local. C'est beaucoup de Turcs. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'étrangers qui ne peuvent pas venir. Les Français, mais aussi, je crois que la Russie actuellement, là, les frontières sont fermées, ils travaillent beaucoup avec les Russes, et ainsi de suite. Donc, ils ont un gros manque à gagner. Donc, on n'est pas dans une période... normalement, on devrait être en période haute, hein, en juin, parce que l'été dure très longtemps, surtout dans le sud de la Turquie. C'est mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et à partir de novembre, le temps commence parfois, tu as du beau temps, parfois ça change, tu vois, mais à partir de novembre. Donc ça te fait des grosses saisons. Et malgré tout ça, je peux te garantir que j'ai un mal de fou à louer Airbnb, tu vois, avec une qualité... on va dire standard, une qualité à l'européenne. Hein. J'ai vraiment des difficultés. Vraiment, c'est compliqué. C'est soit
Il y en a pas. Peut-être que l'offre est pas assez développée, ou soit, à mon sens, c'est que beaucoup de choses sont déjà louées. Ok. Donc du coup, alors qu'on est dans une période encore une fois où on n'est pas au pic. Hein, je le vois dans les restos, je le vois dans les rues, je le vois dans les plages. C'est pas full. Ça se voit. C'est même, tu vois, c'est visuel, tu vois. Donc j'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça doit être en période de juin. Comme avant Covid, tu vois, ce que ça doit donner. C'est-à-dire que tu n'as même plus aucune possibilité de louer si tu t'y es pas pris un mois à l'avance, tu vois. Alors après, si on rentre dans juillet, août, alors là, je pense que c'est terminé, quoi. C'est même plus possible si tu n'as pas loué longtemps à l'avance. Tu as compris où est-ce que je veux en venir? Là où je veux en venir, c'est clairement pour moi une des grosses opportunités aujourd'hui en Turquie, c'est de partir sur donc du tourisme et de l'investissement Airbnb, tu vois, de partir sur soit tu achètes une résidence, ok, toute faite, ou soit tu achètes un bien que tu retapes, tu le mets en standard à l'européenne, ok, et ça se loue comme du pipin, pardon, parce que là, tu vois, je vois, par exemple, factuellement, hein, je te parle avec ce que je fais encore aujourd'hui, et j'essaie de louer sur certaines villes comme Bodrum et autres, c'est très compliqué, c'est minimum, nous on est en famille, donc avec des enfants, c'est minimum 50 euros, minimum, et tu n'as pas une qualité européenne à ce prix-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, tu vois, tu as un prix qui est quasiment équivalent à un prix européen. Quand je pars parfois en France pour 60, 70, 80 euros la nuit, j'ai quelque chose d'à peu près correct, tu vois. Et donc là, bah, je dois être à peu près, pour avoir un standard européen, je dois être autour de 70, 80 euros. Okay, encore une fois, hein, je précise, en famille, quand tu as des enfants, ce n'est pas la même chose que quand tu es seul ou quand tu es à deux. Parce que certains me diraient, ben non, mais c'est pas tout à fait ça et tout. Quand tu as famille, c'est différent. Il y a beaucoup de logements qui sont, que tu n'as pas accès parce qu'ils ne veulent pas avec des enfants. Donc du coup, t'as encore moins de, tu vois, t'as encore moins de possibilités. Mais là, je compare bien la même chose. Quand tu es en famille, par exemple en France ou dans un autre pays européen, et quand je suis en famille ici en Turquie, j'ai quasiment mon budget, je le vois, il est quasiment l'équivalent, quasiment le même, d'accord? Sauf que la différence, c'est qu'en termes de coût, bah, le coût d'électricité, le coût des travaux, le coût de l'achat au mètre carré, ainsi de suite, est beaucoup moindre ici. Donc tu vois, il y a un arbitrage extrêmement intéressant, tu vois, il y a un gros potentiel. À la fois, il y a un arbitrage intéressant parce que le prix d'investissement est plus faible, alors que ensuite, ton chiffre d'affaires est quasiment équivalent à ce que tu peux faire ailleurs, et potentiel extrêmement intéressant parce que pour moi, c'est sous-coté et ça valait qu'en augmentant. Okay, parce que c'est méconnu. Tu verras, si tu me suis notamment sur mon compte Instagram Fodilma, tu verras, je partage beaucoup de photos, beaucoup de vidéos sur les endroits, ainsi de suite, et même en story de ma chaîne, je partage beaucoup de mes voyages, et tu vas voir que effectivement c'est magnifique et c'est méconnu. Les gens ne connaissent pas tout simplement, alors que c'est pas très loin. Ok. Donc voilà où est-ce que je voulais en venir. Pour moi, il y a un gros potentiel, une grosse opportunité dans l'investissement immobilier, investissement locatif courte durée, saisonnier, via les différentes plateformes, que ce soit Airbnb, Booking.com et j'en passe. Okay. À partir du moment où tu fais un standard européen, parce qu'il manque beaucoup, il y a bien sûr hein, de la top qualité, ainsi de suite, mais il y a beaucoup de biens qui ne le sont pas en standard européen. Donc partir là-dessus, faire un standard européen, en plus tu ajoutes la touche en anglais, le fait de pouvoir bien communiquer en anglais, tu as pas mal de Turcs qui sont anglophones, mais tu as aussi beaucoup qui ne parlent pas l'anglais, donc ça peut être également un plus intéressant, une valeur ajoutée intéressante, ok. Partir sur cette logique-là, sur du long terme, je pense que c'est un pari gagnant, vraiment un pari gagnant, encore une fois en plus avec une devise qui est actuellement très favorable pour la devise étrangère. Donc pour moi, c'est une grosse opportunité que je te recommande vivement de t'intéresser. Dans mon programme justement Expat Puissance 4, j'ai toute une partie sur la Turquie où je t'explique bien sûr comment avoir la résidence, je t'explique comment avoir la citoyenneté, le passeport turc sans investir 250 000 dollars, ok, et également un module sur l'investissement immobilier. Comment on trouve les bonnes affaires et comment ça se passe ensuite le process à l'achat. Parce qu'il faut faire attention, il y a aussi, bien sûr, comme dans tout pays, des arnaques quand on est étranger, quand on a des moyens, qu'on ne sait pas s'y prendre, on peut se faire, on peut avoir des complications. Donc tout ça, je te l'explique dans Expat Puissance 4, tu trouveras le lien en description là qui va apparaître. Et en plus de la Turquie, tu auras accès à d'autres modules, notamment sur Dubaï.
Et point extrêmement important, c'est que cette formation, elle n'est pas figée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mon parcours d'investisseur ici en Turquie, je vais alimenter. Au fur et à mesure de ce que je vais apprendre, de ce que je vais mettre en place, je vais alimenter ce programme pour partager dans le détail ce que je suis en train de faire. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Bis et kiff. Ciao, ciao.